our souls up and alone and fucking with the whole bus. Hey yo tout le monde, c'est Enderexa et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je la fais vite fait parce que je n'ai pas trop le temps. Donc on est sur la map de notre casino. Je l'ai transformé en pour ma map reps. Sur ma voilà ma map redstone. Désolé, je suis un peu fatigué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un générateur de blocs fantômes. Le voilà. Donc c'est tout petit système. Par exemple ici, le bloc que je veux dupliquer, c'est le bloc de slime. Donc quand, regardez, quand on appuie sur le bouton là-bas, le bloc de slime est dupliqué. Et quand on se met dessus, ben, on rebondit comme si on était sur un bloc normal. Par contre, il y a une particularité, c'est quand on se met en game mode, si je me rappelle bien, en tombant, on se mange des dégâts. C'est ça la différence, mais à chaque dégât qu'on se prend, ben, on saute beaucoup plus haut. Oula. Je suis où? Ici. On saute de plus en plus haut. Donc il faut quand même des feather falling. Ce serait mieux. Et on peut dupliquer des blocs comme on veut. Là j'ai pris exemple du slime block, mais on peut dupliquer des blocs de, enfin, de roche et tout ça. Enfin, matériellement présents, ils sont là. On les voit, mais pour Minecraft, il est là, mais il n'existe pas, en fait. Donc on va le casser et on va rien récupérer, tout simplement. Bon, c'est un petit système, ça peut être utile. J'ai regardé avec la table de craft, au cas où ça utiliserait les mêmes propriétés, ben, on sait utiliser la table de craft, mais le truc, c'est que quand on l'utilise, elle disparaît. Je vais vous montrer vite fait maintenant comment monter ce système. Il vous faut pas grand chose. On commence, on fait... Enfin, c'est un système qui n'est pas de moi aussi à la base, je préfère le préciser. Mais je l'ai trouvé uniquement en anglais. Voilà, on fait ceci. De chaque côté... Enfin, de chaque côté, qu'est-ce que je dis? C'est de ce côté-ci, hop. Ici, et ici on va mettre un bloc enfin, qui ne laisse pas passer comme ça, parce qu'ici on va venir mettre de temps en temps des blocs de slime si vous voulez. Je peux mettre un bloc de slime et vu que les blocs de slime prennent tout ce qu'il y a avec, vaut mieux mettre un bloc qu'on ne sait pas bouger ici. Ensuite ce qu'on fait, on prend, hop, voilà. On prend un bloc de redstone, on met un comparateur en mode soustraction. De ce côté-ci, on met une dust de redstone. Un répéteur, et un répéteur mis à un tick. Ensuite, de ce côté-ci, on met un sticky piston. Juste ici, au niveau de ce bloc-ci, vaut mieux s'enterrer. On met un bloc, enfin, un piston normal à l'envers. Et de nouveau ici, on remet un sticky piston auquel on met un bloc de slime. Et ensuite, il suffit juste de mettre... ça. Oula, il y a un petit problème. Attendez, je regarde. What? Attends, je l'ai refait exactement. What the fuck? Juste là à côté, il fonctionne. Mais ici, il ne fonctionne pas. What the fuck? Bon. Ah, ça y est, je sais.
C'est dans ce sens-ci qu'on met le piston à un tick, c'est dans le même sens que l'autre. Voilà, comme ça. Et maintenant, si on veut, on peut dupliquer les blocs de redstone. Bien sûr, faut qu'il y ait encore un bug. Oui. Pas grave, vous avez vu l'essentiel de la construction. Le truc, c'est que ça veut pas fonctionner avec moi. Voilà. Maintenant, ça refonctionne. C'est le bloc de redstone qui fait un bug. Voilà, ça refonctionne. C'est juste le bloc de redstone, je pense, qui influence ce piston-ci. Et maintenant, on peut s'amuser à faire mumuse, comme ça. Et on peut faire... Oh, j'y pense. On peut faire un pont avec ça. Bon, bien sûr, il y a sa limite, qui est de 13 blocs. 13 blocs peuvent pousser un piston. Mais pour ça, Minecraft Zephyr a créé un pont qui se duplique à l'infini. Donc vous pouvez utiliser ce pont-là, je crois. Sur ce, c'était UnderXL. Désolé pour la vidéo si elle est assez rapide. Je voulais vous sortir un épisode de Air Azure, mais je n'ai pas su. Donc excusez-moi, mais on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde!